Mission. Mettre le cap. Sur la carte, c'est plus rapide pour aller d'autres, pour Est-ce aller que de c'est là. Mars, ça, par hasard? Ça ressemble beaucoup, hein. C'est plus 10, plus 10, Y a pas d'atmosphère, plus 5 Sco? minutes. Ouais, c'est ça. C'est plus 10 ou plus 5 minutes, c'est ça. Ah, t'as un cas de crypto tulipe. Oui, ils ont un cas. Moi, je dois avoir combien, je crois, je dois avoir 17, je crois. Ouais. Après, je suis super tourné, donc je sais pas combien j'ai. Mars. Crypto On en tulipe. est toujours dans des endroits extra. Ah, je suis en train de pourrir. Vite. 17,1. Oui, c'est pas ça. Bah oui, je t'ai dit, y a pas d'atmosphère. Je l'ai dit juste avant. Ouais, j'ai pas de casque. C'est quoi? Atmosphère 10. En vrai, je l'aime bien ce casque. Ouais. C'est parce que je l'aime bien, je vais le mettre. Ah, mais attends, j'ai peut-être la combinaison. Ah! Ah, Qu'est-ce que bien. j'ai? Je vais Combinaison de éditer. personnel au sol. Radiation, moins 10 Face au pire, atmosphères. non, j'aime bien celle-là. Celle-là, je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. On ressemble à quelque chose. Crypto-tulip. Mais tu Mais. devrais renommer tes points de chaîne en crypto tulipe, hein, ça s'adresse, ça serait ça, moi. Mais justement, c'est ça. Ah, c'est vraiment des crypto tulipes? Ah, c'est déjà des crypto tulipes, d'accord, j'ai pas Mais capté. pour les futurs subs, normalement, j'ai prévu aussi de mettre des émoticônes avec ma tête. Ah bah oui. Que ce soit plus drôle et avantager plus les personnes qui sub. Et pour titre informatif, normalement les subs sont moins chers comme cher, Ah oui, mais un an d'affiliation. oui, et en plus on est septembre, du coup tous les subs sont moins chers pendant le mois septembre. Soit ça arrive bientôt, soit c'est déjà actuellement. De quoi septembre? Septembre. Oui, le septembre, c'est actuellement, ouais, du coup. Sort de peut-être que depuis aujourd'hui. Parce que on est le 1, du coup. Ouh. Oui, on est le 1. Ouh, cette qualité, regarde-moi ça. Oh, la grille! J'aime bien, voilà, bien. Oh, c'est beau. Vous savez quoi? Alzo, Voyage? oh, la grille. Combien on a dû payer pour arriver sur ce caillou rouge? On nous a dit qu'on trouverait du boulot. Mais par contre, quand je mets Fallout 4 avec un pack ultra full HD, le jeu ne marche pas. Mais par contre, ce jeu en ultra, il marche. Oui, mais c'est pas optimisé pareil. Après, je sais pas, c'est un pack officiel ton mode Fallout? Ouais, je crois, ouais. Excusez-moi. Bizarre. Bon, Bonjour. bah, je vais aller sur Fortnite, hein, ça continue comme ça. Non! Bah non, du coup, on fait pas ça. On dit qu'on fait pas comme ça, du coup. Deimos est peut-être le premier grand constructeur de vaisseaux, Ah, j'ai mais ses l'impression d'avoir vu dans la technologies vraie n'ont vie. pas évolué. Les Si vous remarquez que Illuminati! l'un des mineurs présents Bah, vient tu de sais, il y a des disparaître, PNJ aussi dans la vraie vie, hein. je sers à boire ici depuis Oui, plus c'est d'un vrai. quart Regarde, c'est pareil, regarde, lui j'ai l'impression de l'avoir déjà d'heure. vu. Vous Tu sais, dans genre votre sur mon tête, vous t-shirt, savez en fait ce que tu je sais. C'est ton voisin. Non! The Last of Us. Non, stop it. Qu'est-ce que je vous sers? Je veux un verre. Non. Il n'est plus là. Il est parti en patrouille et depuis plus de nouvelles. Je commençais à me dire qu'il était temps de trinquer à la santé de la mère du néant. On s'envoie des emojis. Ces emojis Illuminati. Vous êtes avec les volontaires? Je comprends. Ouais, il sera un Alors, cœur, on va aller prépare encore une l'équipement heure et pour puis. l'envoi. Ah oui, j'avoue, il est déjà Ouais. 5 heures. Après, dodo. Écoutez, Ouais, je suis tout prêt à venir ouais. en aide à un camarade martien Je sur pense ce bateau on aura disparu. bien travaillé, on aura bien live. Bien, Il bien, avait bien une armée torché, bien torché le d'asphyxiés début et on du ne sait jeu. pas s'il reviendra un Oui. jour. Même si on a quand Il même devait coupé beaucoup de d'argent. une heure J'ai de laissé couler discussion. parce que c'est un habitué, mais je vais avoir des problèmes si je récupère pas ses crédits. Ouais, Je c'était vous pas mal. invite. Super, super. Allez, la vie sur Sidonia n'est pas assez difficile comme ça. Vous allez en plus me faire culpabiliser. Je pourrais vous retourner la question. Vous allez payer ou pas? Oui, tu payes, vas-y, paye, paye. Peut-être. Peut-être. Ouais, ça marche. N'essayez Vas-y. pas de me faire culpabiliser, d'accord? Il Je me rappelle de rien maintenant. Je suis pas né de la dernière pluie. Je Dites-moi tout connais de la suite dernière combien il pluie. lui doit vraiment. Vous me traitez de menteur? Je vais vous virer de mon bar, vous allez voir.
Je suis que ce monsieur va tenir hostile. Deux étrangers se pointent et vous demandez des je crois que tu n'as pas un pouvoir de persuasion. L'occasion, comme tout le monde. Ouais. Ouais. Avec le temps, je pense qu'il y aura des points d'amélioration. Moyen d'obtenir ce qu'on cherche. Enfin, je pense. C'est le buzz. Grave, car depuis 1h15, je suis sur le live. Ah bah oui, oui. Oui, j'avoue que là, ça commence à faire un petit moment. Ouais, c'est pareil, moi, je commence à te fatiguer. Je sais même pas si, du coup, moi, de mon côté, je vais stream demain. Enfin, je veux dire, tout à l'heure, c'est samedi. Mais aussi, je suis fatigué, lol. D'accord, une petite remise. Dernière fois qu'il est venu. Vénus ? Ce n'est qu'une planète, pas un itinéraire de patrouille. Ce n'est qu'une planète. Okay. D'accord, on fera avec. Excusez-moi ? Je suis l'abonné le plus fidèle. c'est réel. Lol, fatigué, lol. Non, il manque le sub. Il manque le sub. On est d'accord, il manque le sub. Ah, il manque le sub. Ah, il manque le sub. Les mecs comment ils grattent. Les mecs comment ils grattent. Est-ce qu'on vous a déjà dit que c'était September? Je suis en train de péter en même temps, c'est... Non, arrête d'envoyer des ferlantes de... Il y a un robot. Il fait le ménage. Eh, mais c'est Claptrap, je reconnais. Ah, mais c'est Borderlands. C'est que normalement, fin d'année, ils ont pris un Borderlands 4. Après un leak des développeurs. Oh, oui. Ou que j'y joue d'ailleurs à Borderlands. J'ai fait des dons, mec. Mais j'avoue. Oui, c'est vrai que du coup, les dons, c'est... Non, ça marche. Hein. En vrai, les dons, c'est mieux. Moi, je dirais... C'est... Les dons, d'accord, c'est mieux qu'un sub. Oui. Voilà. Merci. Enfin, merci pour le carton tulip. Et merci. Merci pour mes tablés. J'allais dire merci, j'allais dire un autre truc, mais bon, non. Là, je vais m'abstenir. Tu veux combien? Non. On n'achète pas. Non, mais moi, par contre, hein, si je n'ai donne... pas vu ce message. Alors, si on me donne un chèque de rente de 20 000, moi, je veux bien les surkick. Hein. Et je fais du Warframe, hein. Autant que vous voulez. C'est l'émission, ça, en fait. Non, mais moi, avec 20 000, j'achète un giga PC. Hein. Let's go. J'achète de quoi un petit peu plus de matos pour stream, genre un bon micro, histoire de bien. Et après, je vais pas remettre où. Enfin voilà, tu vois, on se met bien. Et je fais que du Warframe. Si je prends 20K, je fais que du Warframe. Et uniquement sur Kick. Ah, je suis très sérieux, hein. Oh, je veux bien. Ah, quand c'est 20K, c'est 20K. Hein. Ah, le détail de son gilet pare-balles. Ah ouais, c'est terrible. Par contre, hein, je précise, hein, j'ai dit 20K, mais mes prix peuvent augmenter à tout moment. Hein. À tout le monde, genre deux minutes après, je dis 30K. 20K, c'est 3 ans de paye. Oui, c'est ça, 20K, c'est 3 ans de paye. Oui, oui, c'est pour ça. Non, mais est-ce que vous avez vu, pour certains, genre, quand qui s'achète des gros streamers, est-ce que vous avez vu la somme qu'ils prennent d'un seul coup? C'est horrible. C'est abusé. Sur Twitch, ils prennent nos petits streamers pour les donner au plus gros. C'est ça. En plus, ce qui est terrible, c'est que si entre guillemets, les streamers, même les plus connus, qui se font bannir de Twitch, il y a qui est là pour dire viens sur notre plateforme, vas-y, viens. C'est cocasse comme situation. Ah, c'est spécial. Sauvegarde automatique. Je sais pas, faut que j'attende la sauvegarde, non. Regarde sa tête là. Non mais bah, c'est pas ça, je regarde, c'est que... Ah merde, ça marche plus. Il se passe quoi? Pourquoi ça marche pas? J'ai bugué. Ah, ça marche pas. Bon bah les gars, premier bug. Ouais. Au course. On manque de sauvegarde automatique. Ouais. Peut-être relancer le jeu. Non, pas forcément, juste à... Alors, je suis une sauvegarde automatique. Tac. Le jour où je me fais 20K rapidement, soit j'ai gagné au jeu d'argent, soit j'en prends la loi. C'est pas faux. Le problème de nos jours, on peut plus se faire connaître, il y a trop de créateurs. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça. Mais en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est que si tu veux être connu, faut tendre tes fesses. C'est ça, ouais. Ou soit, faut mettre la main à la poche. C'est ça.
à la poche hein, pour tuer une équipe. C'est ça, en plus je réagis, genre de nos jours vraiment. Genre, tout le monde veut devenir streamer parce que tout le monde y voit son gain de pain, sauf que bah, du coup il y a de plus en plus de concurrence et que de moins en moins de gens gagnent de l'argent et du coup bah, il y a moins en moins de streamers. C'est un cercle sans fin, c'est ultra vicieux. Pour l'instant, c'est une méta, les gens profitent et peut-être que du jour au lendemain, il y aura plus de streamers, il y aura plus de streaming et les gens bah, devront retourner à Pôle emploi. J'aimerais pouvoir. En fait, je suis connu, faut être là. C'est con, mais faut que tu te fasses une équipe, faut que tu payes des gens, faut que tu sortes du contenu régulièrement et que. Et que l'équipe derrière, bah, il y a une évolution. Oui, c'est ça. Puis en plus, si t'as une équipe et tout, tu peux plus les payer. Du coup, bah, ces personnes-là, pareil, finissent au chômage. Et c'est un gros bordel. Un monteur, un community manager, un modérateur. Un jour, elle est au chantier de la mine d'or. Ah oui, pardon. J'ai bugué sur le message. Arrêtez votre cinéma. Baissez votre prix. On trouvera toujours un autre moyen d'obtenir ce qu'on cherche. D'accord. Ah, c'est comme les gens qui investissent dans le TC. Ouais, parce que tu parles de crypto. Ah oui, oui c'est complètement éphémère. D'accord, on fera. Allez hop, voilà, je prends la mission. Ça c'est les messages de dépressifs sur Facebook. Rien n'est éphémère. Oh putain, non. Ta petite collection de bouteilles de Jack Daniel en arrière-plan. Les dreadlocks. Moi, je peux pas prendre d'autres missions normalement. Ouais, je suis trop plein. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Sauvegarde rapide, ok. Sidonia peut vous filer une dépression. Faites-vous aider. Personne d'autre côté. C'est bon. Non, ça se voyait trop que je parlais. Je parlais d'une personne privée. Enfin, je me dis. C'est un René Gag, je me barre de faire. Travailler, pourquoi travailler? Pour travailler, c'est vrai ça. Va mourir au travail. C'est là de être une mineure de travailler des japonaises. Se chier à bosser, voilà comment on nous remercie. La vie coûte cher, c'est ça le problème, c'est ça qui me fait peur en fait. C'est que moi actuellement, dans emploi, j'ai déjà une certaine phobie sociale et vraiment c'est ça qui me fait peur en fait, c'est vraiment de bosser. Des fois on me dit mais mental, qu'est-ce qui passe par la tête pour ne pas aller bosser alors que... Bah, qu'il te manque que ça en fait pour avancer en fait et sortir entre guillemets du nid familial. Et moi c'est ça en fait, c'est ça qui me fait peur, ça, aller bosser quoi, c'est la vie quoi. C'est la vie, la vraie. C'est toujours quand je commence à être fatigué que je commence à voir ça, c'est marrant ça. T'inquiète. L'espace. Bon. L'essence même du capitalisme, hein, les riches. Deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Et ce, peu importe comment tu t'investis. Exactement. C'est totalement ça. C'est ça. Non, mais vraiment, c'est ça. C'est que c'est. Voilà, si t'es riche, t'es riche. Et si t'es pauvre, tu seras toujours plus pauvre. Et. Ça a toujours été comme ça. Et pas que de nos jours. Mission, mettre le cap. Vite, lumière alpha du centaure. Est-ce qu'il y a Mario de métal? Il n'y a pas un système solaire qui s'appelle Mario de métal. En fait, je crois qu'en c'est itinéraire exploré, en fait, tu peux pas y aller. Les gars, ça fait 2 ans que je bosse avec acharnement tout en faisant des études en informatique. Je sais pas maman depuis 3 ans, c'est chiant d'avoir 800 euros par mois, payer 450 euros de loyer, 100 euros d'électricité, 60 balles d'assurance et tout le reste. Pas facile la vie.
m'étonne. Mais c'est ça, vraiment, c'est pour ça, moi, c'est ça aussi qui me fait peur, tu vois. Et tu m'as dit, je sais que je reste cloîtré chez moi, que je devrais sortir, mais justement, ça me fait peur, tu vois. Je me dis, le jour où je suis plus, bah, que je suis dehors, si y a une, s'il y a un tourloupe, je suis à la rue, quoi. Ça ne sera pas la politique éphémère de un jour prochain. Le capitalisme va tomber, comme le communisme soviétique à son époque. Ne vous en faites pas. Exactement. Ok, j'arrive pas à bouger Ah? puisque ça parle. Ah oui. Ah oui, t'as été juste stuck parce que t'as en train de parler. Je pense. Je te comprends, Metal, je suis constamment angoissé, je suis dans le déni. Haha, 3 ans de déni. World record. Exactement. Ah, parce que moi, on est constamment en train de me rabâcher que je vis comme un chômeur cloîtré chez mes parents et tout, alors que bon, c'est vrai que je pourrais faire en sorte de sortir, mais voilà, c'est vraiment la peur de la vie, quoi, la vraie, quoi. C'est ça, en fait. Tu regardes, hein, moi depuis j'ai internet que je me suis mis derrière les écrans, maintenant pour me demander de sortir à quelque part. Mais c'est pour ça, moi, je suis très bien derrière mon ordi, tu vois, c'est pour ça, moi, ça me fait peur de rencontrer des gens en vrai, tu vois. C'est ça. Mais je sais que la vie, c'est pas derrière les écrans, c'est ça, c'est bien ça qui est malheureux, hein. On a tous, hein, passé notre temps derrière les ordi, mais à un moment, faut bien sortir, travailler pour manger, tu vois. Et pas que, bien sûr, je précise. Ah non, mais je suis un grand peureux, c'est pour ça. Non, parce que des fois on me pose la question, on me dit mais pourquoi t'es stressé, pourquoi t'es anxieux, je suis pas dépressif, hein. Non, c'est juste qu'en vrai j'ai peur en fait de sortir, j'ai peur de la vie, c'est juste ça. Mais t'as sûr, à partir du moment où ça va un point donné, hein, je serai bloqué, donc il va falloir que j'avance. Que genre actuellement, genre j'ai pas de permis, quoi, j'ai pas de voiture, j'ai pas de moyens de locomotion, j'ai oublié de me déplacer par mes moyens, c'est-à-dire pour la plupart du temps soit à vélo. Si c'est dans un rayon de 15 km, soit de prendre le train. En effet, mais je crois voir quelque chose d'autre qu'il pourrait. Il y a une balise satellite de l'UC qui est dangereusement proche. Mais après, voilà, tu me connais un peu en VOP, et pareil, en Scorpio. Je montre pas mon angoisse, ni ton choix, ta peur. Je la comprends entièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça sent que je suis fatigué, je suis plus du tout en train de réactiver. Là, c'est vraiment le Metal Bass comme cumulé quasiment à son état naturel. Ah. En fait, tu peux aller doucement, quoi. Si j'ai bien compris le Ah ouais, truc. parce que t'es dans un champ d'astéroïdes. Enfin de. Alors, en fait, faut pas se faire détecter. Et il faut s'approcher assez rapidement. Faut s'approcher pour télécharger les trucs. Bip, bip, bip. Oh, grand serpent, bénis notre communion, que nous puissions marcher dans les Puis anecdote dans mon groupe de potes que vous connaissez, je suis sûrement le plus pauvre, je ne le dis jamais, je sors même quand je suis en négatif, juste pour être avec mes amis, je suis trop gentil. Tu vois, comme quoi, on peut être négatif dans la tête, mais on peut quand même sortir avec nos potes. C'est ça. Bah en vrai, sortez. En vrai, c'est vrai que si voilà, si vous êtes cloîtré, pareil, si vous êtes cloîtré chez vous, moi c'est pareil, c'est pour ça que je suis sorti. La plupart du temps, je suis cloîtré chez moi, je fais rien. Voilà, même, hein. Donc là, on profite, là on est deux, on profite. Pourquoi j'ai grossi d'un coup? Je sors plus, hein. Ouais, C'est mais vrai. oui, mais on peut prendre ce cas-là, mais toi t'as travaillé entre-temps, moi j'ai pas travaillé. Ouais.
J'aime pas travailler. Ah, j'ai dû dompter mes doutes pendant longtemps car la vie, malheureusement, prise très tôt au dépourvu. Mais sachez que je vous comprends tous les deux. Ouais. Pourquoi travailler quand tu sais que t'as pas de retraite? Oui, non, voilà, c'est ça, c'est terrible. Quand tu sais que tu es arrivé à l'arrivée à. Moi, je suis certain que j'aurai pas de retraite. Hein, arrivé à la moitié de ta vie, tu vas te casser en deux. Préserve-toi, en fait. Vive ta vie. Profite. On t'impose des trucs. C'est de l'esclavage moderne. Déjà qu'à l'école, au final, on dit quoi? En fait, t'as même pas le choix dans ton métier. C'est ça. Et moi, si j'aurais su, j'aurais travaillé plus à l'école, j'aurais fini dans les trucs de création de contenu et tout. Ouais, bah après, faut voir dans quoi exactement, c'est vrai. Bah, et moi, regarde, mais les compétences que j'ai. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quelques compétences en informatique, mais c'est parce que je suis un passionné. Et du coup, c'est grâce à ça, on peut dire que j'arrive à m'en sortir. Parce que sinon, j'ai peu de compétences dans tout ce qui est le reste. Déjà j'ai du mal à m'entretenir déjà socialement. Donc s'il faut par exemple que je m'entretienne, genre par exemple dans un magasin avec des clients, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas faire. C'est quelque chose que j'ai envie de dire je ne veux pas faire. Mais si à un moment je voudrais le faire, il va falloir que je le fasse. S'il y a un emploi qui se libère, voilà, ça pourra faire beau sur mon CV, mais voilà. Le même discours que moi. Mais c'est ça, tout à fait. C'est ça que moi, quand j'étais au collège, nous, à part le bâtiment, des trucs qu'il y avait dans le camp de chez nous, on nous a proposé que ça. C'est moi, ça, j'aurais su que t'allais dans les grandes villes, t'avais des trucs pour venir streamer ou même pas, même monteur vidéo, des trucs du genre là. Faire de l'audiovisuel, tout simplement, ouais. Quoi, moi, je vais travailler à l'école. Moi, j'aime bien l'école. Mais il n'y a rien qui me plaisait dans le coin. Du coup, je sais dans le coin, parce que je sais pas ce qu'il y a. Là aujourd'hui j'ai 22 ans, je sais pas ce que je veux faire plus tard, pas l'armée. Si je peux pas l'armée dans les pompiers, celui j'ai envie d'être dans les pompiers à l'armée, dans les camps. Et là je fais quoi? Je sais même pas en fait, à part essayer d'être streamer, mais bon, il va falloir combien d'années? Combien de fois être pauvre? Moi il y a bien un truc qui m'intéresse personnellement, c'est... Alors, c'est obscur, je précise, c'est très obscur, mais ça reste, on va dire, un rêve qui peut être réalisable, c'est être auto-entrepreneur. C'est faisable. En fait, ce que j'ai envie de faire, un truc qui m'a toujours fait kiffer, c'est créer. C'est de faire revivre les cybercafés. Ouais, cybercafés, oui, c'est cool. Faire revivre les cybercafés, et puis à côté, faire de la maintenance informatique. Genre monter les ordi pour des clients, faire de la maintenance, même faire de la maintenance à distance. C'est quelque chose qui m'a toujours fait fasciner, en fait, les ordinateurs. Donc, voilà. Moi j'ai choisi les études en informatique, c'est tellement différent de ce qu'on pense quand on est passionné, ouais. Oui, non mais j'ai vu, hein, de toute façon, moi que quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire, on va dire, après le bac, j'ai juste bégayé, et c'est pour ça que j'ai pas été plus loin qu'un bac pro, en fait. J'ai pas été plus loin qu'un bac pro, du coup, système numérique, comme il était intitulé. Mais bon, en vrai, moi j'aime bien continuer l'école, mais le problème c'est qu'à mon âge, bah, j'ai besoin d'argent. Un minimum. Ah oui, puis maintenant on a besoin d'argent pour se déplacer, quoi. Puis voilà, c'est comme ça, ça permet de nous libérer et ça permet d'avoir un plus grand rayon de recherche. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que pourquoi. Et en plus, il y a aussi un cercle vicieux. C'est que des fois. Tu veux, on veut te guimeter, il y a une place qui se libère dans quelconque endroit, peut-être dans quelconque structure. Tu veux te présenter, tu y vas, tu vas voir l'emploi, tu vas voir le patron, tu vas voir peut-être ton futur employeur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour travailler, il vous faut des compétences. Sauf que pour avoir les compétences, il faut travailler. C'est pas comme un problème. C'est ça. Alors, système numérique, c'était encore assez général en informatique. Ouais, c'est ça, bah, c'est pour ça. Mais moi, c'était vraiment fou les ordinateurs, parce que, genre, en système numérique, ce que moi j'ai fait au bac, il travaillait aussi, genre, sur des consoles de l'électroménager, ouais. De la domotique et du réseau. Ça, je ne pitais rien.
je ne bitais rien, et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait d'études supérieures. Parce que moi, j'aurais pu faire genre d'études justement supérieures, justement en programmation, en réseau, et non. Aujourd'hui, la programmation, ça m'intéresse, hein. Je veux dire, par exemple, le C, le C++, tout ce qui est programmation qui peut potentiellement aider à la création d'un jeu vidéo, ça m'intéresse forcément parce que j'ai toujours été passionné de jeux vidéo. Mais voilà, ça va pas plus loin, tu vois. Je sais même pas si je vais du point A au point B. Si vraiment c'est faisable. Le pire, c'est que certains me considèrent cultivé alors que je me suis arrêté au bac électrotech. Mais comme quoi, tu vois, genre, c'est pas forcément les études qui fait que toi, t'es quelqu'un de cultivé. Si t'es quelqu'un de cultivé par défaut, t'as beau avoir quelconque niveau d'études, ça change rien. Moi, j'ai toujours dit que le système d'éducation, il était complètement foireux, hein. Il est pourri complet. Il est totalement pété, en fait, hein. De toute façon, voilà, ça, c'est un truc que t'apprends quand t'es plus vieux. On va dire que tu sors du système scolaire, l'école ne sert à rien. T'auras beau, entre guillemets, aller à l'école, si t'as pas envie, tu n'y arriveras pas. On te force à apprendre du français, on te force à faire des maths. Si ton cerveau n'est pas conditionné à faire ce genre de choses, tu n'y arriveras pas. Mais par contre, si t'es passionné par quelque chose, par exemple, je sais pas, une certaine matière à l'école, je sais pas, bah, par exemple, bah, j'aimais bien parler de l'électronique, bah, j'avais des notes plutôt correctes, j'étais dans la moyenne, et ça m'a permis d'avoir mon bac. C'est uniquement grâce à ça que je m'en suis sorti. Parce que genre, français, j'étais nul, l'histoire, j'étais nul, les maths, j'étais nul, genre, si je te ressors ma moyenne de maths au bac, je vais avoir deux, quoi. Moi, mon niveau de maths, il s'est arrêté au collège. Oh, je sais pas s'il faut que j'aille en vaisseau, mais bon, je crois qu'il est en vaisseau. Il se goûte. Ouais, la biffée pas le moine, hein. ça c'est réel. Hein. Moi j'ai continué mon BTS NIR. Alors le BTS NIR que je fais, t'aurais peut-être plus cependant si du réseau. Windows Server 2016, Linux Server, Active Directory, PowerShell. Ça m'aurait rendu fou en fait. Je pense que ça c'est le genre de truc qui m'aurait clairement rendu fou. J'ai une option bien tranchée sur l'éducation nationale, surtout en France d'ailleurs. Je suis pas tout seul. Pas toi aussi d'ailleurs. Mais j'ai eu du C, du C++, HTML, ça se ouais. Non mais c'est pour ça, on m'a dit, toi c'est pareil, j'ai parlé avec un autre pote justement, que lui justement, qui a fait un bac généraux, il m'a dit non mais t'inquiète, Metal, en fait, genre la programmation, si on va dire t'es intéressé, même si en soi j'ai un peu de mal, ça peut débloquer des passerelles en fait. Sauf qu'il m'a dit si tu veux faire du C++, il va falloir que tu fasses d'autres programmes, le langage avant. Il m'a dit il faut que tu fasses du C, il faut que tu fasses du Python et tout. Il faut que t'apprennes. Alors que bah, j'ai pas envie de prendre le temps de faire ça, c'est vrai qu'il est chiant. Genre, je préférais limite, tu vois, apprendre plus la langue anglaise qu'autre chose. Alors, ça change le sens du sujet, mais je veux dire, je préférais avoir un meilleur un niveau en anglais que d'avoir un niveau de langage de programmation. Putain, je l'ai une mission, j'arrive pas. Mettre le cap. Je crois qu'on s'est essayé de donner option, tu pouvais avoir le Python. Ouais. Oui, c'est ça. Je crois qu'il faisait ça au bac. Itinéraire Nick. Enfin, au bac, je veux dire. Enfin, au lycée, quoi. Putain, ça me casse les couilles. Tu sais pas où téléporter? Bah, si. Mais on va dire ça. On va dire mission. Tac. Mettre le cap. Itinéraire inexploré. Tu peux pas te TP. Mais. Du coup, fais comment pour l'explorer? Mission, ça m'a montré. C'est la route. Et pourtant, j'ai deux missions. J'ai celle-là en haut aussi. C'est exactement la même chose. Hein. Consommation de carburant. Itinéraire inexploré.
J'ai aucune idée. Puis on va faire les missions principales, on verra bien. Bon, mais bon, le Python, tu fais un programme pour ta calculatrice. Ça, c'est réel. Hein. J'ai vu des gens qui prennent des calculatrices à Python, genre les TI, les Texas Instruments TI, juste pour coder sur leur calculette. Je l'ai revendu d'ailleurs ma calculette, moi. Moi, j'étais avec toi. je crois le truc le plus compliqué en langage pour moi, c'est le basique. Ah ouais. Après, je pourrais pas te dire. C'est le truc qui est sur Excel aussi. Monter ouais. L'astromoteur. Je sais même pas c'est quoi l'astromoteur. Je n'ai aucune idée. Ah, ça y est. Parfois, quand je vois certains patrons ou autres qui se la coulent, quand ils ont un statut, j'ai envie de leur demander. Et toi, le vioc, tu remplirais tes papiers toi-même en 11 piges. T'as connu de la pauvreté extrême et autres. C'est vrai. Ah non, papy. Pauvreté d'extrême, moi je connais le toujours été dans ton extrême, petit... T'as toujours été dans. Ah non, papy, mais t'as déjà toujours été dans ton confort. Ça, mais en vrai, ça c'est réel, ça, mais bon. T'es vraiment d'accord, mais complètement. Toi, t'as connu le métal de l'extrême? Ouais, j'ai connu le métal de l'extrême quand il m'a rencontré. Il m'a rencontré, on s'est rencontré. Maintenant, on n'est plus amis. Oh, j'ai envie de jouer à Warframe. Ouais, j'ai envie de jouer à. À Destiny de Wish. Bon, on arrive trop vite, on va se cracher dedans, je le sens bien. Non, 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 ça a l'air de faire. Là, attends. Oui, mais diminue un peu la vitesse. Ah, diminue un petit peu la vélocité. Ah oui, d'accord. Il arrive. Ça, en vrai, le pilotage est super propre. Hein. Alors, si t'arrives là à vitesse là, t'es dedans. Hein. Ça répond. C'est trop classe. Ça va faire une grosse VOD par contre. J'ai rentré dedans. ça va faire une grosse VOD. Je pense que je couperai quand même un petit peu la VOD. Mais ça va faire une grosse VOD. Hein. Là pour le coup, les gens ils seront 4 heures de VOD. Hein. Ou alors peut-être que je la couperai. Non, je pense que c'est ça. Je pense que je vais la couper en plusieurs parties. Comment je fais? Ah. Contacté. Ok, ça marche pas. S'il est. Ouh. Amarrage. Dans les fesses. Et à l'œuvre. Ouh. Ça, c'est du X spatial. Mais arrête, on va se faire ban. Se lever. Mais non. Il a de la gueule, le perso. C'est vrai qu'il y a des choses, je suis quand même perdu, mais. Eh, c'est vrai que, en fait. Ça va. J'étais en train de fouiner quand quelqu'un d'autre leur est tombé dessus. Ce sera pas votre dernière rencontre avec. Ouais, j'ai pas trop de munitions, mais ça va. Ah, c'est j'ai les munitions de pistolet. On va enfin le tester un peu. Bah ouais. Cool, bah non, on va mettre des coups de crosse, enfin. Connais. Avec le décès de ma mère, j'avais 9 ans et demi, j'ai rien régularisé, on n'avait plus un rond, on a bouffé des raviolis en boîte pendant un mois, des yaourts périmés, trois semaines, ces gens-là ne compteront jamais, complètement. Ah ouais, c'est ça le problème. On est des numéros. Mmh. Oui, c'est ça, non, vraiment... En fait, pour les personnes de la haute société, on est vraiment des PNJ. Ouais, on est des PNJ. Et si on veut être un vrai joueur, en fait, il faut qu'on tente nos fesses, quoi. Pour ça, faut arnaquer tout le monde, quoi. C'est ça. À ce moment-là, j'ai dompté mes doutes, me battre, parce que. Tu regardes les gens qui sont riches, on a combien qu'arnaquer les gens pour être encore plus riches. Parce que c'était soit ça, soit là. J'ai de plus en plus de difficultés à lire, parce que. Je commence. Mes yeux commencent à te venir fatigués. Il me bloque la meuf.
Merci d'être là, les gars. Merci d'être restés sur le stream. Là, ils sont pas partis se coucher, les gars. Il est 5h30, les gars, ils sont pas partis se coucher. Ouais, mais les gars, vous êtes des monstres. Ouais, c'est vrai que, ouais, c'est vrai, ils sont là depuis le début, quoi. C'est incroyable. Ils sont là depuis 1h30. Hein. C'est incroyable. Une heure et demie du matin. C'est pour ça que tu ne dois pas négliger ton savoir ou ta force mentale. Car vraiment, tu mérites énormément de respect pour ce que tu as pu traverser. Toujours là pour ses amis, exactement. Mais c'est pour ça que moi, genre, je. Quel que soit ce qu'on dit ou les remarques qu'on fait, même si des fois mes paroles dépassent ma pensée, j'ai toujours été extrêmement respectueux avec n'importe qui, tu vois. N'importe qui. Et toi, tu vois très bien de quoi je veux parler. Oui. Tu vois, voilà, par exemple, voilà, il se peut que je me prenne la tête avec certains potes. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. On est tous humains. On est surtout on est français. C'est le caractère, c'est comme ça. J'allais dire, on est humain. Voilà, on est humain. Ça arrive d'avoir quelques compromis. Il suffit qu'on discute correctement. On est romain et puis voilà. Tout ça. On a tous nos problèmes, tu vois. Ça arrive. Non, j'ai toujours respecté les gens. Aujourd'hui, ce n'est pas parfait, mais quand je vois quelqu'un en difficulté, je l'aide de mieux qu'il peut. Je sais que ça fait super bien à la Terre, exactement. Il faut savoir que Scorpio, dès qu'il croise une personne, on va dire, en difficulté, soit en difficulté... Bah, par exemple, le jour où j'ai réussi à rencontrer quelqu'un qui avait une tumeur à la tête. Mm-hmm. Et justement, Scorpio connaît cette personne, et justement, si j'ai bien compris, s'il le croise des fois, ça lui arrive de donner un petit peu d'argent. C'est terrible, en fait, parce que justement, ces personnes-là, ils peuvent pas s'en sortir, en fait. C'est ça. Ça lui arrive aussi, justement, des fois, de donner justement les gens qui sont à la rue. Moi, à un moment donné, j'analyse toujours la personne devant, qui fait la manche. Mmh. S'il y en a, ils en profitent. Hein. Oui, parce que voilà, t'en as, voilà, ils sont peut-être quelque peu agressifs, mais bon. Voilà. Après, tout le monde est humain. Tout le monde est humain. Quel que soit le caractère, même si le caractère est mauvais, s'il n'est pas compatible avec vous. C'est normal, tout le monde est humain. Après, il y en a, s'ils en profitent, ils font la manche, puis deux secondes après, tu vas chercher une bière, tu vois. C'est ça. On n'est pas fait pour tous s'entendre. Moi, je suis en sorte de m'entendre avec tout le monde. C'est juste que bah, certains ne voient pas le monde du même œil. Ah, c'est le problème. Hein. Les êtres humains sont toujours différents par rapport aux autres. Hein. Avec la fatigue, j'ai peur de mal m'exprimer. Mais comment je ne peux comprendre ce que a vécu à... j'imagine l'horreur de l'acharnement de la vue qui a traversé, et vraiment, je ne cesserai de le penser, mais énormément de respect à toi. Ouais. De la vie. Ouais. La vie. Ouais, je commence vraiment à avoir de la difficulté à lire, là. J'aime bien les pavés, les mecs, mais j'ai un peu de mal, je suis désolé. Mon perso, il va clamser à force. Oui, j'avoue, les gars. Là, il est en manque d'oxygène. En fait, faut gérer le CO2, l'oxygène. Oui. Mais t'as pas genre des impacts de balles dans le casque? Une bonne question. Ah oui, tu parlais du... Je sais pas, tu m'as parlé d'impact de balles et tout, tu vois. Oui, c'est vrai, parce que, bah, regarde, je sais pas, genre, si t'arrêtes d'avancer, ça remonte tout seul. Ouais, ça remonte. Ah ouais. Et ouais, c'était ta tête percée. Normalement, bah, je peux pas voir comme ça, mais on voit pas. Ouais, je pense que... Mais en vrai, le jeu, genre, je suis en train de dire, le jeu, ils ont fait un Skyrim vert. Il faut faire un Starfield vert. Ah, mais ça genre là, collecter les objets, genre avoir un flingue dans une main, ça serait beaucoup trop stylé. Ah, mais ça, c'est sûr qu'ils vont le faire. Ils l'ont fait aussi pour Fallout 4, hein. Ouais, t'inquiète, Metal, il est tard. Ouais, bah, j'espère que, bah, pour ceux qui regardent la rediff, j'espère que c'est assez compréhensible pour vous. Enfin, pour...
plus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin en tout cas. N'empêche les gars, on est quand même 19 sur le live. Hein. Mm. J'ai remarqué, j'ai mes horaires où qu'il y a du monde. Ouais, c'est ça. C'est souvent la nuit, tu vois. C'est souvent la nuit parce que les gens ils sont là, ils se posent, ils discutent et surtout on discute sérieux la plupart du temps. On dirait la plupart des streamers sont déjà au lit, tu vois. C'est ça. Oui, la sursis, il y a quasiment plus personne. Ou alors c'est le début, tu sais, c'est le début de journée, les gens commencent ouais, à c'est ça, ouais. Ça arrive aussi. Ou alors t'as les Québécois aussi à sursis. Pour les Québécois, là, c'est bientôt le début de la nuit. C'est ça. Étant plus jeune, je ne me suis jamais fait choper. J'avais un certain don pour ça, même si je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Mais j'ai enfreint la loi, plusieurs fois. J'ai fait des mauvaises choses dont je ne suis pas fier aujourd'hui, mais sauf qu'à cette époque, je ne pense pas que j'avais fait beaucoup d'options. Ouais. Ça arrive. Hein. Et là, il a trop, un peu trop passé la loi. Quand on est jeune, hein. Bah, quand on est jeune, voilà, on n'a pas forcément conscience, entre guillemets, du réel danger. Mais maintenant, forcément, maintenant qu'il est beaucoup plus vieux, forcément, on comprend que ça n'en valait pas forcément la peine et qu'aujourd'hui, bah, il regrette. C'est sûr, ça vraiment, ça forge, hein. Ça forge. Je connais pas cette arme, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, mais j'aime bien. Encore un calibre 12 version futuriste un peu. Ça aussi j'aime bien. Ah mais j'aime bien, en plus les armes elles sont vraiment vraiment bien. Ouais ouais. Bien détaillées. Meurs. Putain, il est trop bizarre l'affichage sur l'arme là. Oh cola. Ça c'est quoi? Pour survivre on ferait n'importe quoi. Fais attention au carton, tu n'as plus de vie. Ah oui, tu vas crever. Oh, carton, plus de vie! Eh ben, j'ai pas vu ça, bien joué! Heureusement, tu régénères, ouais, voilà. Là, il est vraiment, vraiment dans une très mauvaise posture. Maintenant, fais gaffe. Même pas, je régénère pas, en fait, c'est que. C'est moi qui me soigne à chaque fois. C'est à l'autre qui est là, normal. Mais je sais pas combien. Kit de soins, il me reste 8. Vas-y, vas-y, kit de soins, là. Il est là. Attends, ça monte? Tu en as utilisé un? Ouais. Ok, ouais, c'est pour ça. C'est le kit de soins du coup qui est là. Let's go! On va essayer de prendre un distributeur, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, clé de recherche. Il y a sûrement des médocs, mais. En fait, c'est très peu. On peut se coucher dans le lit, les gars? Non? Ça serait trop bien. Non, mais vraiment, je suis là, je suis en train de baver, je me dis, non, mais un mode vert où tu peux juste saisir les objets avec. De l'autre main, t'as le pain, et là, tu balayes. Moi, je vais le tir. T'attends juste quelques mois, ils nous le sortent, hein, le mode VR. C'est sûr. Ça peut se faire. Mais par contre, faut racheter le jeu. Ouais, c'est sûr. Comme ils ont fait pour tous les jeux VR. Hein. Oui, c'est sûr. En fait, tu rachètes la version. C'est ça. Non, mais on attendra les modes, on attendra la communauté. D'abord, on va sur Nexus mode. D'abord, ça va être le gros bordel. On aime dehors ça. Certaines choses auraient pu mal tourner, même si bon, je sais que j'ai eu de la chance aussi, généralement, les têtes brûlées de mon genre, c'est pas long feu, surtout à 11-12 ans. Ouais. C'est sûr. On va attendre que l'oxygène remonte. Ouais, j'avoue, parce que là, bon, vraiment, il est en train de suffoquer dans son casque, quoi. Surtout les gars, n'hésitez pas à follow. C'est le seul moyen de me soutenir. Enfin, c'est le meilleur moyen de me soutenir. September. C'est September, les subs sont moins chers. Bien sûr. Voilà, c'est qu'un petit follow, c'est rapide, c'est gratuit, c'est. Ça mange pas de pain. Je sais pas où part au passé, hein, je suis coincé. Ah, mais attends. Workroom. Ah bah tiens, bah c'est ce que ce serait pas là qu'il faut aller par hasard. Tiens, comme dans Elden Ring, t'achètes un cheat. Ouais, pendant que Carton te suppoque, la meuf a pas de casque. Mais c'est vrai, là, attends, la meuf depuis tout à l'heure, elle a pas de casque. Ouais. Vous devriez commencer à faire des priorités.
Mais attendez. Putain, ça me prendra par de casque. Mais attendez, mais c'est réel ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, parce que c'est vrai, on est bien. Moi, depuis tout à l'heure, je tilte pas, je discute, mais. What? Oh, le casque, il est dégueulasse. Putain, on dirait une moustiquaire, le truc. On dirait une bâche. Ah, c'est bon, j'ai pas de casque. Mais je pense que le casque, il me protège quand même un minimum, tu vois. Mmh. Bon, quand oui, je remets. Je pense que toi, n'importe quel élément d'armure pour faire. C'est pour le flop. De combinaison te donne des stats. Oui, moi aussi, je commence un peu à être. Eh ben, mal. Encore relativement une bonne geste. Moi, la mienne, elle est. La mienne, sur mon bureau, elle est. Je veux dire, la mousse, elle est toute. Tout un PC. J'ai mal au dos. Ah. Avec le recul, je me dis que c'est mon insouciance de la jeunesse qui m'a sauvé. Alors, arme. Découpeuse, qu'est-ce que c'est? Ok, hein, qui s'affiche. Chose découpeuse. Ce que moi, c'est des balles. Favori, tu vas comme si une mitraillette, on va la mettre là. Je crois que ça, c'est un calibre 12. Hein. J'en ai aucune idée, mais c'est stylé. Moi, ce que j'aime bien, c'est la hache. Ouais, genre. J'aime bien parce que même la hache, elle est futuriste. Ça, par contre, j'ai des balles. Parce que non, c'est un fusil, gros. Ouais, ce fait, le fait de rien craindre, ça donne des ailes, ouais. Non, mais c'est ça, t'étais jeune. C'est ça aussi. C'est comme je t'ai dit, hein, quand t'es jeune, t'as vraiment aucune conscience de danger. C'est pour ça, genre, aujourd'hui, genre, tu fais un truc, tu te dis. Je vais éviter de prendre des risques parce que sinon je vais aller en prison, quoi. Est-ce que je prends cher, c'est des niveau 12? Ils sont plus haut niveau que moi. Ah, c'est pour ça. Je passe à une autre cible. Du coup, ils ont fait un système de niveau. Le mec, je l'ai tellement rafalé qu'il est tombé en bas. Moi, je l'ai rafalé sa mère. Attends, respire. Par toi. C'est bon, t'inquiète mon grand, j'ai respiré. Oh. Ouais, quand on est enfant, on est. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Tu es vraiment invincible, hein. Je vais faire un truc. C'est pour ça, moi, je me suis jamais trop brûlé, tu vois. Genre, j'ai déjà fait entre guillemets des petites dingueries, mais genre jamais trop violent, tu vois. Des petites dingueries. Toujours été conscient, et on va dire que j'ai eu une très bonne éducation qui se fait que, bah. Voilà. 7h05. Bon, après, j'ai pas forcément toujours les meilleures fréquentations, mais voilà, j'ai quand même une très bonne éducation qui fait que, bon, voilà, j'ai jamais trop eu de problème, moi, de mon côté. Ok, ouais. J'ai jamais volé dans un magasin, j'ai jamais, tapé quelqu'un, voilà, je sais quoi. Non, parce que c'est beau dire, ah, je vais te mettre un chassé, je vais te faire un RKO, juste parce que t'es énervé, ça, c'est que de la parole, ça. Ça sert à rien s'énerver. Mais quand on vous dit que la violence ne résout rien, c'est vraiment la violence ne résout rien. Puis c'est pas en fouillant dans votre coin que ça va aussi résoudre quelque chose. C'est complètement débile là, de réfléchir comme ça. Toi tu parles trop sérieux et j'ai pas l'habitude de devoir parler trop sérieux en live. Non mais c'est parce que je suis fatigué, c'est pour ça. En vrai je suis plutôt comme ça. Parce que je me sens un bourré. C'est ça, non, je suis fatigué. Et quand je suis bourré je suis encore pire. Il y a un mec en sortie de boîte, il marche, il est comme ça là. Ouais, je suis pas bourré. Oh. Mais quand je suis bourré je suis encore pire. Je suis encore pire que ça, je suis encore plus sérieux. Parce que justement, je suis là. Ouais, tu sais, je me concentre sur ce que je dis. Ah, la violence, c'est inutile. Hein. Ah, la violence. Ah, c'est inutile. Ah, par contre, les insultes, j'aime bien. Spatial a été envahi. Ici Moara de l'avant-garde.
fait penser vraiment le plus de temps, vraiment, je m'énerve vraiment pour rien. Et des fois, je me dis, je m'énerve. Tu sais, j'ai pas, peut-être, genre, cet après-midi, j'ai, enfin, du coup, hier, à un moment, j'ai un peu monté en pression parce que j'ai perdu les connexions internet. C'est une connexion internet. C'est pas vital. Mais c'est quand même, ça m'a quand même énervé. Je sais, bon, pourquoi j'ai des pertes de paquets? Y'a pas de raison, en fait, de s'énerver pour ça. Mais bon. C'est comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Scorpio, il dit, un jour, fin 2012, j'ai commis un vol. Ça fait 2 ans que je faisais ça. Mais ce jour-là, pour la première fois, je me suis senti coupable. C'est là que j'ai compris que je devais quitter ma bande actuelle. Surtout qu'elle s'est fait choper 2 ans plus tard. Ouais, t'es jeune, insouciant. Mais hors la loi. Même à nos jeunes âges. En fait, faut se dire, en fait, simplement, mets-toi à la place des gens. Mets-toi à la place des gens si par exemple, je sais pas si tu te fais voler un truc, mets-toi à leur place. Je pense d'ailleurs, c'est ce que bah, aujourd'hui tu dis ça. Genre, tu dis aujourd'hui, bon. T'es là, t'es à vélo, tu te fais piquer ton vélo. Je sais pas, c'est un exemple. C'est pour ça d'ailleurs, j'avais une fois, j'ai dû me faire piquer mon vélo. J'étais là, je suis dehors. J'avais mis l'antivol. C'est une vraie anecdote, hein. J'arrive, là d'un coup je vois quelqu'un qui regarde, qui c'était une fille, je sais pas quel âge elle avait, genre peut-être la quinzaine. Elle a insisté sur le vélo, elle a dit, ah c'est ton vélo. Je fais, ouais c'est mon vélo, pourquoi? Elle me dit, non parce que moi j'ai perdu le mien. Je fais, ouais d'accord, sauf que celui-là c'est le mien. Ah la meuf. Et je lui fais, non vraiment celui-là c'est le mien, genre celui-là, genre je l'ai, c'est pas mon perso, je l'ai emprunté à quelqu'un, mais ça reste le mien. Et en fait l'idée, non parce qu'en fait genre on a emménagé genre il y a deux mois et mon père il avait laissé le garage ouvert et il s'était fait voler. Je fais, d'accord, très bien, désolé pour vous, mais ce vélo est le mien. Du coup voilà, moi j'ai pas acheté, voilà, je me suis dit, bah c'est bon, en fait, très bien, en fait, ça sert à rien de louper sur mon vélo, c'est le mien. Bah oui, c'est ça. Surtout vraiment, il y avait le gros cadenas, vraiment, tu sais, vraiment, bah t'es sûr, hein, tu vas pas pouvoir le piquer. Hein. J'en peux plus de tout ça. Moi aussi, j'en peux plus de tout ça. Encore après, bon, pour peut être à la place des gens, pour avoir une maturité. Que peu de gens ont, malheureusement, ouais, c'est ça. Mais c'est mais, en France, hein. En vrai, vraie anecdote, hein. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui pensent que, tu sais, j'ai toujours un petit grain de folie, des fois, tu vois, forcément, des fois, j'en abuse. Ça sent que vous l'avez vu déjà en début stream. Si vous remontez, c'est pour ceux qui regardent la rediff, hein, c'est pour compter au début, voilà, je suis complètement déchaîné. Mais quand je commence à être fatigué, je suis beaucoup plus sérieux, je suis beaucoup plus dans mon état naturel. Je suis plus du tout dans le react. Et il y a très peu de gens qui me connaissent, en fait, dans cet état-là. Alors qu'en fait, j'ai toujours été comme ça. Et c'est malheureux parce que justement des fois il y a des gens qui vont dire qui me, peut-être même maintenant on va dire qui me haïssent alors que j'ai toujours été comme ça. Je sais pas. En fait c'est juste pas profiter en fait de, oh le joli fusil. J'ai jamais profité on va dire de l'occasion de me montrer on va dire naturel. C'est simple en fait comme j'ai dit, j'ai une phobie sociale en fait avec n'importe qui en fait, donc je peux me comporter n'importe comment. Il y a que des hommes qui s'aiment. Non. Bah non, du coup. Moi, quand j'étais réserviste, un confrère m'a dit « Y'a que des hommes qui s'aiment. » Ouais, mais c'est bizarre, du coup. C'est l'armée, c'est tout. Y'a que des hommes qui s'aiment. Ah, mais c'était l'armée. Ah, mais voilà. Ah, tu sais. J'ai pas capté cette taille. Dans les chambres et tout, tu vois, y'a que des hommes qui s'aiment. On dort ensemble et tout. Bon, on va pas tarder à s'arrêter, chat. Il va pas tarder 6h du mat. Oui. Merci d'être resté, hein, puisque là. Je pense que tu as terminé la quête là, puis ensuite on pourra s'arrêter. Ouh, attends, ouais. Rendez-vous sur Neptune. Est-ce que tu vas directement sur Neptune ou tu restes en orbite? Je pense que tu vas rester en orbite. C'est ça. J'ai raccroché depuis 2013 ces conneries là. Je n'ai plus jamais tenté de reprendre. Mais jamais ces expériences m'ont forgé, j'ai pas vu forcément. C'est normal, hein, d'être resté.
Bah bien sûr, c'est normal d'être resté, merci beaucoup. Mais en vrai, moi j'aurais été à votre C'est place, je serais. super gentil de votre part, les Mais en gars. vrai, c'est super gentil, moi à votre place, je serais parti me coucher. Vraiment. Mais je pense qu'ils ont ils étaient aussi curieux du jeu. Hein. Je pense que les gars, vous étiez aussi curieux de voir qu'est-ce que donnait le jeu. Hein. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive de voir des gens qui sont là du début jusqu'à la fin, tu vois. Moi ça m'arrive hein, sur mes streams hein. Mais les modérateurs la plupart du temps ils sont tout le temps là Ouais, mais toi, tu vois, toi derrière, t'as une bonne équipe, tu vois. hein. Ça va. Bon là ils sont chauds, ils sont motivés. Même si des fois ils sont occupés, ils sont quand même là. Moi, à part Marine qui est là, tout le monde ne sont pas forcément là tout le temps, faut pas. Si, il y a toujours n'importe qui, tu vois, t'as des moments où tu là dont tu peux pas être là, ou moment où tu fais coucou, après tu pars, après tu reviens, tu vois. On va dire que toi, t'as su te faire Voilà, une un vraie peu équipe, tu curieux. vois. Ouais. La petite équipe. Ah, mais l'équipe s'est formée, hein. L'équipe, c'est plutôt l'équipe qui s'est formée autour de moi. Après, les gars, je les connaissais déjà. Oui, voilà. C'est les gars qui m'ont suivi, hein. Moi, je les ai jamais demandé de me suivre. Moi, Mais j'y c'est suis une allé. vraie Enfin, équipe. si vous me suivez, suivez-moi. Ah, le taf lundi, bah oui. Ouais. Tant que moins actif, ouais. Mais de toute façon, je pense que moi, il va falloir que je fasse les choses. Je pense que. Je sais pas. On arrive en septembre. Il va recommencer à faire frais. Là, bah, à la Reste à la rentrée. maison, c'est l'hiver. Là, à la rentrée, bon. On arrive en septembre. Clairement, là, ça va faire. Bon, ça va faire quasiment 4 ans que je fais rien. Donc, va falloir que je passe mon permis. Mais genre vraiment que je me dise, bon, allez, vas-y, faut que je sorte, faut que j'y vais. En plus, j'ai tous mes dossiers, j'ai mon dossier d'inscription, il est quasiment complet. Genre, j'en parle encore au début de l'année de mon dossier. Il est toujours pas donné, et puis je me suis toujours pas inscrit. J'ai envolé des vélos le lendemain de Noël de 2011, un véritable jackpot. Que j'ai pensé à l'époque, mais en vrai, aujourd'hui, je me dis que j'ai ruiné un moment à certaines personnes et seulement mes chances. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un exemple que j'ai donné, mais du coup, c'est réel. Si tu passais, ne t'en fais pas, nan, allez, à une époque, t'aurais dû être une de mes cibles. Ça m'attriste encore plus, ouais, bah oui, c'est ça, en fait, on aurait pu être n'importe quelle victime, en fait, d'un des vols. Bon, faut que je me lève, non, tu sais, parce que je comprends pas. Pourquoi j'ai la mission qui est encore dans le vaisseau? Je sais pas, faut que je parle. Non. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être fallait les sont embarqués. Mais non, mec. Mais quelle idée. T'as pas le mec, une petite patate dans la bouche. Montez à bord. La respiration, j'espère que je pourrai améliorer tout ça. Sinon, ça va être injouable. Vas-y, moi je vais Oh, la pas. qualité. En vrai, c'est vraiment super. Super beau, super sympa. Désormais. Par des modes d'avoir, vas-y, je bégaye, c'est. Vas-y, tu commences à ta bout, t'as commencé à t'endormir. Une patate de forain de Wiz. Attends, je sors mon pied pour mettre un coup de pied dans l'imprimante. Non, j'ai pas ça. C'est dans l'imprimante. Avec l'imprimante, j'ai jamais utilisé. J'ai jamais réussi à installer l'application. Ça marche pas. Ah, Ça mais la blague est une. a jamais voulu marcher. Ça marche pas, ça marche pas. Yo, c'est un sale après fini. C'est ça. Erreur, je sais plus quoi. J'ai même changé de câble et tout, hein.
Non, mais en fait, les imprimantes hein, sont programmées pour être défectueuses. Enfin, elles marchent un temps et après, elles marchent plus. C'est une obsolescence programmée, mais genre version vénérée. Et bon, je me disais un truc du style, ouais, t'es bon, etc. Alors qu'en vrai, j'étais une belle ordure, surtout. Et je suis bien content que tout cela soit derrière moi, pardon. Vraiment, j'ai des mots, j'arrive plus à les lire. Du coup, ce qu'on fait, j'en arrête là tout de suite. Ouais, je pense qu'on peut on peut buter le mec là, je sais pas, t'as un avis sur une Bah, mission? Je sais pas, avant que t'aies sur une nouvelle mission? non, normalement, je crois qu'il faut la marrer, enfin, il me semble. D'accord, bah vas-y, termine le mec là. On va s'arrêter là du coup. Vas-y, termine le mec. Faut l'exploser. En fait, toutes tes compétences, il faut que tu gères sur. En vrai, je sais pas si y avait des. J'ai pas fait attention s'il y avait des compétences en pilotage. Je pense qu'il y en avait une. Hein. Ouais. Je En pense fait, un peu. si tu descends la vitesse, tu peux recharger plus vite, tu peux tirer plus. Si tu enlèves C'est le une bonne mode de mécanique. tir, tu accélères plus vite et tout, c'est C'est une bonne mécanique, ça, j'aime bien. Ça me rappelle les vieux jeux. Bouclier, bouclier. Et du coup, voilà, je crois que j'ai pas trop de bouclier. Là, oui, d'ailleurs, là, tes boucliers sont désactivés. C'est combien les tarifs de la séance psy du C'est coup, ça. carton tulipe? Hein? C'est combien la séance psy? C'est gratos, que c'est vous, les gars. Ah, c'est gratos, ça, évidemment. Ah, t'es faux, ça fait du bien. C'est vrai que Cartalux c'est très bien. Il est Voilà, du beau. coup, ouais, je dois la marrer. La légende et le Kakito. Du coup, les gars, ce qu'on va faire. On sait un petit peu, oui, sorte demi-tour. Ouais, si tu peux t'amarrer, let's go. Ah, mais t'as encore un ennemi là. T'as encore un vaisseau là, Non, toi. non. Ah non. Ah non, c'est la Ah, mission. merci pour le follow. Wow, le follow. Ah, mais c'est Scorpio qui a Du follow. coup, avant d'amarrer. Ouh, let's go. Enfin, on va pas amarrer, mais on va amarrer la prochaine Ouais, partie. hein. Les géantes de glace. Sol. J'ai pas Ah, Sol, l'habitude du c'est mêlée. Soleil, du coup. Ouais. Donc, c'était le système solaire. Ça fait 5. Attends, c'est 5. Attends. Pourquoi ça t'affiche un cœur de jeu? Je sais pas. On va faire aucun sauvegarde rapide, on sait Ça jamais. t'affiche un cœur de jeu alors que ça fait quoi? Ça fait genre 4h30 qu'on est en live? C'est trop bizarre. Bref. C'est ça. Quitter le jeu. Par contre, j'éteins les intestins qui travaillent. Ah, oh, j'ai mal la nuque là. Ça semble le petit caca qui va arriver. Ah, mais ça, c'est le de viande, ça, je reconnais. J'ai zappé de te flot, désolé. Ouais, Et t'inquiète, c'est pas grave. ça va, très bien. Oh, écoute, t'es un crack. Alors, je suis venu, je t'ai fait de la pub sur mon serveur et tout, je suis un centre venu. Ah, bah oui, hein. Ouais, parce que oui, toi, bah, je sais pas, du coup, je t'ai montré, ils avaient fait la pub sur le serveur. Hein. Et merci les gars pour la pub. Du coup, les gars. Ouais. Pas de rien du coup, hein. Ah, je suis bientôt les 7000. Oh. Monte ça, monte ça, monte ça, monte ça, monte ça. Attends. Oh, je sais. Non, c'est pas ça qu'on veut, c'est ça. Du coup, 7. les gars, on est bientôt les 7000. Mais attends, 7. 7 000. T'as juste fait ça à l'arrache. 7 000. Juste les gars, j'ai juste lancé un coup de gueule. Et l'annonce du live, je suis à combien? 200. 211, Pas mal. Ouais, c'est 77. moi. Ouais, c'est cool quand même. Merci, hein. Merci beaucoup. Hein. Ouais, c'était cool comme live, mais bien sûr que c'était cool. Bah, c'est grâce à vous, hein. Du coup, vous avez été là, on a papoté avec vous et tout, c'était cool, hein. Ah, ça, pour le coup, c'était très très cool. En tant que streamer, moi et Metal Blaze, sans vous, qu'est-ce qu'on est? Un streamer sans viewer, un streamer sans à qui parler. Tu parles dans le vide, ça sert à rien. Ouais, alors que là. Sans nous, vous n'avez pas de divertissement. Nous, sans vous.
On n'avait pas de divertissement, oui. Je pense qu'on aura, non, un, pardon, on aurait un peu de mal, je pense. Surtout la sorcière, je pense que là j'aurais beaucoup plus de mal à trouver de l'intérêt au jeu. Non, bah, en vrai, le jeu est très très bien. Hein. Mais voilà. Non, c'est vrai que le jeu, je le valide. Ouais, c'est validé. En vrai, moi, là, moi personnellement, j'ai rien à lui reprocher le jeu. Vraiment rien. Non, on va mettre l'OBS devant nous. Hop. Ouais, c'est mieux, je préfère. Voilà, si on a toujours la tête tournée et tout. Faire ton tulip. Pouloulou. Oh, il y en a qui jouent. Il y a d'autres gens qui jouent à Starfield. Vas-y, joue à Redfield. Starfield, Redfield. Mais lol. Il y a des qui comme streamer français. Putain, ils sont nombreux. C'est des Français. Ouais, mais attends, il doit avoir des Québécois. Il prend français, espagnol. Ils sont pas que français, ils sont juste francophones. Ah, je pense qu'ils sont aussi des Québécois. Et on a été c'est les autres. Et à cette heure-ci, on a été les streamers. Enfin, je veux dire, on a été les streamers à faire le plus de vues quand même. Hein. Parce que, alors, comme il y a 6 heures de décalage. Au-dessus de la moyenne, je veux dire. Il y a 6 heures de décalage par rapport au Québec. Pour eux, il est minuit à peu près. C'est encore l'heure de live. Par contre, les gros streamers, ça se voit qu'ils sont partis. Hein. Ouais. Ouais, le plus gros, il a 570 spectateurs. Mmh. Oui, ils sont en dire un truc déjà. Ouais, N'empêche, si tu regardes bien, on est quand même monté jusque presque dans les hauts de la page, hein, par moment. Oui, on a monté un écart. Ça, il y en a beaucoup, un spectateur et tout, tu vois, tu sens que ça se ramollit. Mais nous, forcément, on est plus haut grâce à vous, les gars. Mmh. Attends, on est où, nous? Attends, un streamer sans viewers, ça c'est réel. Au fait, Metal, j'ai vu que t'étais toujours Silver 2 en 2v2 sur elle tout à l'heure. Ah, toujours Silver. Ah oui, ils ont pas encore baissé mon MMR, c'est ça? Je sais plus. Du coup, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, on est dans la 6e catégorie sur Twitch. Ah ouais. Dans les classements, dans la 6e. 6e sur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et les mecs en dessous de nous sont tous dans un spectateur et tout. Ouais. C'est déjà pas mal. Sachant qu'on est monté sur une vingtaine de spectateurs, c'est-à-dire qu'en fait on était dans la 3e catégorie. C'est-à-dire qu'on est encore plus visible. En fait, c'est pour ça que je vous parlais des streamrunners, en fait. Ah, bien joué à vous, les gars, pour toi. Ah, j'ai tout le monde. Hein. En fait, c'est pour ça que j'ai streamrunner, en fait, juste pour monter dans les catégories et être un peu plus visible. Ah, rien que 10 minutes, parfois, ça peut tout changer. Ce streamrunner, personne n'est là. Streamrunner, c'est tu passes, et puis voilà, t'as tes vues, ça s'arrête là. Mais t'as aucun... Comment dire ça? T'as aucune interaction avec les personnes. Ouais. Ah, je suis en train de se faire, et là, je commence doucement à m'endormir. Et bah, du coup... Du coup, on vous souhaite une bonne soirée, enfin, du coup, une bonne nuit, une bonne journée. Merci d'avoir été présent, les gars. Merci beaucoup, hein. Ah, bah, du coup, on se dit à une prochaine, bah, du coup, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on va se revoir. Je sais pas. On n'a rien prévu. Non. Bonne question. On va peut-être essayer de peut-être pas ce week-end, mais à partir de lundi, comme le week-end je l'avais jamais d'habitude, voire très peu. Lundi quand du coup? Lundi de la début de semaine. Semaine prochaine? Ouais. Ah. C'est quand je relive. Officiellement. Ouais. Ouais, officiellement, mais c'est du lundi au vendredi, le week-end, il n'y a aucune horaire de fixe, hein, c'est au camp. Sauf ouais, feeling. C'est full random. Ouais, full random, feeling, on voit comme on peut. Ah, histoire que je réserve un peu le week-end pour ma copine aussi, un petit peu. Oh, on verra bien. Sinon, les gars, hein. Restez connectés, hein, vous serez informés automatiquement. Voilà. Bon, ouais, c'est ça, mais de toute façon, je ferai pareil. Hein. Si je stream avec Carton Vie, pareil, hein, je t'enverrai, je vous aurai une notification. Ah, sinon, tout le monde sera notifié. Et puis, si jamais ça n'est pas le cas, bah, je vous l'informerai du coup. Je vous en informerai du coup directement en live. Oui, tout simplement, puis, voilà. Puis dans tous les cas, je mets un. Comment dire ça, un planning sur Twitter, je le mets aussi sur Discord.
Normalement, il est aussi sur ma page Twitch. Il y a le programme qui est affiché. Mon programme n'est que le soir. Le matin, faut quand je m'organise pour. C'est le plus dur, c'est de se lever. C'est ça. Oui, toi, c'est vrai que tu stream le matin, toi. Ouais, par contre, j'ai essayé de Toi, faire un truc, c'est t'es de plus live stylé. de 8h à midi et de 13h30, 6h. J'ai essayé de faire comme si c'était des horaires de travail. Tu connais dans ma sky. De En vrai, horaire carton, de t'es taf, en bienvenu vrai. si un jour tu veux venir. Et bien sûr, mais grand plaisir, tu. Je sais même pas s'il m'a sur Discord. Enfin, s'il y a mon pseudo. Enfin, Non, oh, attends, pour. t'inquiète, je m'occupe de Voilà, ça. ouais, bah, y a pas de souci, T'inquiète, je m'occupe tu de me ça. dis, je rejoins. Au calme. T'inquiète, hein, tu verras, Vous êtes des franchement, bons, les gars. ça parle toujours très sérieux, c'est pour ça que la plupart du temps, Mais bon. c'est vrai que t'as une communauté, c'est des monstres. C'est pas ma communauté, hein, les trucs obscurs. Oui, mais Hein. là, dans le chat, ça reste ta communauté. Oui, ça reste. Voilà. Ça reste mes potes, du coup, ils font partie de ma C'est tes communauté, bien potes, ta sûr. communauté, c'est des monstres. C'est Bien des monstres, sûr. c'est clair. Ah, ça, c'est clair. Ah, ouais, vraiment. Hein. Vraiment, Regarde, les bientôt gars. à 5 heures de live, ils sont là depuis C'est le ça, début. c'est ça. Mais en plus, vraiment, Scorpio, vraiment, en plus, ça a toujours été un giga monstre. Hein. Vraiment, il trouve toujours des phrases pour vraiment animer l'ambiance. Hein, vraiment. Mais en vrai, je réagis, mais vraiment. Eh. Faut faire du stand-up, hein. Mais si Faut jamais. sortir des vannes, en vrai, j'ai envie de En dire. vrai, là, c'était l'éclat. Je me suis jamais autant éclaté dans un live. Vrai. Non, Non, c'est vrai, non, c'est. on a passé un excellent moment. Non, l'écran, t'étends pas! Non, c'est que c'est cool. Bref. Non, arrêtez avec. Arrêtez. Arrêtez, on va avoir des problèmes. Bon, Arrêtez. je crois qu'il y a la fatigue en train de jouer là. Bon, allez, du coup, Bon, les gars, allez, sûr. on vous souhaite une très bonne Allez, nuit. bonne nuit tout le Un monde. grand merci à vous. Ouais. Et officiellement, bah, si ça vous dit, on vous dit à lundi pour C'est le ça. prochain live. Moi, du coup, je serai peut-être en live du coup cet après-midi. Je verrai, je sais pas à quelle heure, mais je serai en live peut-être à partir de cet après-midi. Voilà. Bon, allez. Bon, allez, bonne soirée tout le monde. Merci Bonne d'être passé. soirée! Allez, bye.